la signora Castafiore. Je rêve, mais c'est Tintin. Que faites-vous tout seul dans ce pays désert? Madame Castafiore, rendez-moi un grand service. Je dois trouver un poste de police au plus vite. Alors presto, prenez le volant, car le signor Wagner, lui, il avance comme un escargot. Attendez-moi une seconde. Pas d'erreur. C'est le pilote de l'avion taxi. Il faut pourtant passer. Je crois que j'ai une idée. Irma, j'ai besoin de vous. C'est lui. Je reconnais son cabot. Mais lâchez-moi! À moi! À l'aide! Lâchez-moi! Au secours! Par plexiglas, ce n'est pas lui. Au secours! À l'assassin! À l'assassin! Aiuto! Polizia! Polizia! Au secours, arrêtez ces brigands! Arrêtez-les! Faites-moi! Arrêtez-les! Quel est le signor Wagner? Mon accompagnateur, il a été brutalement attaqué par ces hommes-là! Vous avez papier? Identité? Mes papiers d'identité, les voilà. Puissamment secondé. Alors, commandant? Ce que vous avez découvert confirme que toutes les pistes aboutissent au lac. Mais la moitié des eaux se trouve en territoire bordure. Cela rend recherche très délicate. Ah oui, je vois. Complications diplomatiques. Commandant, donnez-moi carte blanche et votre appui. Écoutez, mon ami, le professeur Tournesol, a mis au point un sous-marin de poche qui nous a servi à rechercher le trésor d'un pirate du XVIIe siècle, qui s'appelait Rackham le Rouge. Allô? Quoi? Un camion pour la villa? Ah oui. Laissez passer. C'est Tournesol qui travaille pour nous. Ça fait 2 jours qu'il est parti, mille sabords. Et toujours, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Mais je n'ai rien commandé. Ah, vous croyez? Mille sabords. Tintin. Oui. Et avec une surprise. Le sous-marin de Tournesol. J'irai au rendez-vous des bandits, capitaine. Vous, vous me suivrez discrètement à bord de ce sous-marin. Compris. La marine sera à son poste, mille sabords. Capitaine, le moment est venu d'aller à ce rendez-vous. Mais Moussaillon, vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Il le faut, capitaine. Il faut sauver les enfants. Tout est prêt, professeur? Non. Tout est prêt. N'y touchez pas, Tintin, c'est un modèle. C'est tout à fait spécial. Non, Milou, non. Cette fois, je dois y aller seul. Toi, tu veilleras sur le capitaine. Tarder. D'où viendront-ils? Pas de vedette. Pas d'hélicoptère. Il est seul. Ok.
je fasse. Un sous-marin. Oh, je l'avais prévu. J'appelle Grand Requin. Tintin est au rendez-vous. Embarquement immédiat. Terminé. Arrivons. Préparez-vous à des surprises, monsieur Tintin. Belle installation. On voit que les affaires de ces messieurs sont florissantes. Rastapopoulos. Encore vous? Encore moi. Et plus vivant que jamais, mon cher. Que dites-vous de mon modeste domaine? Oh! Insoupçonné du monde. Ah, voilà donc la machine à copier les objets précieux. Merci, mon cher Tintin. Vous avez la machine. Où sont les enfants? Allez les chercher, Ralph. Ils sont charmants, ces bambins. Alarme! Une évasion! C'est sans issue! Ouh là là! Je ne comprends rien à tous ces instruments! Ouvrez la grille! Vite! Il vient sur nous! La vitre est fendue! Fermez pour tes tonches! Oui, chef. Avec l'amphibie. Par le hublot. Le hublot incassable, oui. Ils l'ont cassé. Imbécile. Je vais m'occuper personnellement de ces vauriens. Ça, c'est l'ancien village de la vallée. Se sont évadés, vos petits protégés, mais ils n'iront pas loin. Vous allez assister à un petit jeu très amusant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, Nico. Vous voyez, Tintin, on m'obéit au doigt et à l'œil.
et Assyrie. À présent, à la maison. Damnation ! D'où il sort, celui-là ? Mais ce sont vos amis, Tintin. Quelle naïveté ! Nico, regarde ! Un tank ! Je rêve ! Et la priorité, Miss Sabor ! Naufrageux ! Capitaine ! C'est nous ! C'est nous ! Tonnerre de Brest ! Les deux moussaillons ! Plus amusant qu'à la fois. N'est-ce pas, mon cher Tintin ? Oh non ! Vous n'allez pas tirer ! Je vais me gêner. Capitaine, il faut à tout prix empêcher ce canon de tirer. Wow. Lâchez-moi, bande de pirates! Cette fois, je le tiens. Le gouvernail est touché. J'ai trouvé. Nico, tu es un génie. Alors quoi? Enrayer? Ah, les barbus et tout de même hors de combat. Le capitaine, Milou, monstre. Fini la petite récréation. On rentre. En attendant les retours de vos jeunes amis, admirez donc mes petites collections. Rien que des pièces authentiques, évidemment. Dont la machine du professeur Tournesol va faire des milliers d'autres pièces authentiques. L'ambition vous perdra, Rastapopoulos. Et vous, ce serait plutôt la candère. Emmenez-les. Les petits fauves sont récupérés, patron. Un instant. Je veux essayer ce merveilleux appareil. Commençons par un objet simple. Ah, victoire! La perfection! L'imitation me paraît plus grosse, hein? Oh non, mais non, mais... s'occuper de vous. On m'a trahi. Mais Rastapopoulos sait punir ceux qui se moquent de lui. Nico ! Aïe ! Nouchka ! Tiens, tu es là. Oui, il est là. Et il restera là. Chef ! Chef ! La police. Quoi ? Quoi, la police ? En surface, chef. Des vedettes de la police.
tonnerre, des tonnerres, des tonnerres. Oui, la fin des requins du lac est proche. Vous n'aurez pas, Rastapopoulos. Il me reste assez de temps pour passer à travers les mailles du filet. Vous voyez cette eau? Dans une heure, les niveaux atteindra ce dispositif. Et... Et moi, je serai loin. Vous aviez promis de libérer ces enfants. Seulement en échange du véritable appareil. Vous avez voulu jouer au plus fin, hein? Vous avez eu tort. Dans une heure. Souvenez-vous. Donc, bien compris. Par équipe des deux, et vous remontez le butin dans la grotte. Tonnerre de Brest. Hurrah! Mille sabords. Éteint. Plus aucun doute. Pour moi, la clé de l'affaire est au fond du lac. Je dirais même plus, le fond de la clé est dans le... L'affaire du lac est au fond de la... Et au fond, tout est là. Décidément, c'est mon jour pour la pêche aux cornichons. Ah, la police. Pas trop tôt, mille saveurs. C'est vous, Haddock? Oui! Vite! Vite! Tintin est là! Avec les enfants! Ah, il n'y a rien à faire, Tintin! Ces chaînes sont trop solides! Ça y est, patron! Tous les hommes ont évacué la base! Oh, alors, on peut partir! Aidez-moi. Il faut arracher ces tuyaux. Oh, Chris! Oh! Gagné! Dépêchons-nous. Je suis certain que Rastapopoulos ne bluffait pas. Courage! Mouchka, donne-moi cette épingle. Sortons vite! Plus vite! Ah, le sas! Mettons les gilets de sauvetage. Vos poumons. Je vais ouvrir le sas. Encore quelques secondes et ce monsieur Tintin recevra quelques centaines de tonnes d'eau sur sa jolie mèche. Tintin, un canot, vite! Mais pas du tout! Un canot, vite! Les enfants d'abord! Je suis là, Tintin! J'arrive! J'arrive! Les enfants? Non, non, Tintin. Ça va. Ma première idée était la bonne.
J'aurais dû m'engager dans l'infanterie. Par Saint-Vladimir, quelle vague! Et Rastapopoulos? Et sa bande? Rastapopoulos, c'était donc lui. Hélas, nous ne le tenons pas encore, mais sa bande, c'est autre chose. Nos patrouilles ont pêché ces requins par groupe de deux. Message radio, commandant. Sous-marin Rastapopoulos, repéré près de Côte-Bordure. Officiellement, je ne peux plus agir. Quoi? On ne va tout de même pas laisser filer ce concentré d'extrait de serpents et sonnettes. Et sa mort! Pas question! Nous ne sommes pas Sildaves. Donnez-nous un canon rapide, commandant. Vous croyez? Largons les amarres! Largons! Largons! Largons les amarres, les bruits! Larguez-les! En avant! Les rivages de la Bordurie. Nous sommes sauvés. On évite tous les postes frontières et on pique droit sur les rochers du Trident. Mais pas moyen de passer par là, chef. Ce sont des récifs. Je sais. Mais nous y arriverons par-dessous. Allons, en plongée. Doucement. La barre à 30 degrés. Doucement. Réduis la vitesse. Oui, chef, mais... Réduis encore la vitesse. La barre à 0 degré. Voilà les passages. Mais vous êtes sûr que nous allons passer, chef? Comme une lettre à la poste. Mes plongeurs ont vérifié la hauteur du tunnel et celle du sous-marin. Avec les périscopes, chef. Les périscopes? Vite, en surface! Plus vite! Je ne le vois nulle part. Par où a-t-il pu passer? Stop! Regardez, là! Une traînée d'huile. Ça ne peut être que lui! Et voilà qu'en plus de tout le reste, il pollue les océans! C'est ta faute, imbécile! Tu ne pouvais pas m'en parler plus tôt de ces périscopes, hein? Mais chef, c'est vous qui m'aviez dit... Tais-toi! Tu n'es qu'un incapable! Débrouillez-vous, chef! Moi, je sors d'ici! La croisière est finie, mon bonhomme. Oh! Oh! Oh là! Oh là là! Malédiction! Tintin! Et Adoc! Ne vous dérangez pas pour moi, messieurs. Je ne fais que passer. Vous ne vous en tirerez pas, Rastapopoulos. La Sildavie vous doit grosse bougie. Et non, fière chandelle. Tintin, merci. Bravo, jeune étranger. Bravo. Voilà gens du pays. Ils viennent donner grande fête pour vous remercier. Eh ben, les nouvelles vont vite par ici. Tonnerre de Brest! Il en vient de tous les côtés! Rôdeur étranger, je savais bien que toi, brave garçon, heureux avoir pu t'aider. Ah, la blouse, Tika! Venez danser la blouse, Tika! Quelle blouse, Tika? La blouchtika? Mais je ne connais pas cette danse. On t'apprendra, c'est facile. Viens, Tintin, viens. Tiens, c'est la fête ici. Je dirais même plus, oui. Oh, oh,
brave. Sauf qui peut. Coucou, c'est moi. Où êtes-vous, capitaine Cornac? Allez, venez. Venez danser, capitaine Carbock. Oh, cher capitaine Colbach, comme je suis heureux. C'est la première fois que je danse avec vous. Madone! Thank you.